Bonjour à tous, en cette période de confinement, on est beaucoup à faire de l'homme et il me paraissait important de, bah de vous présenter la page exprès dans votre Garmin pour l'homme C'est vrai que l'homme trainer, du coup, c'est une activité qui est spéciale. Souvent, on a des programmes avec des durées de temps bien déterminées et important de mettre quelques petits onglets justement pour favoriser le bon déroulement de vos séances. Donc là, on est sur un, un Garmin, vous voyez bien, donc c'est un, un 810. Sauf euh, qu'on des appareils euh, Edge 1000, ou là, ça ou les 1000, euh, 1030, c'est à peu près euh, le même fonctionnement. Donc euh, moi, j'ai déjà euh, créé euh, mon, mon onglet euh, home, trainer. Euh, home Trainer. Donc pour créer tout simplement, vous allez euh, dans, le, dans les paramètres. Euh, hop, vous allez ici. Vous mettez profil d'activité. Donc là, vous voyez que moi j'ai déjà mes trois activités. Si vous voulez en créer une quatrième, vous cliquez en bas à droite et vous ajoutez une activité comme ça. Là, vous pouvez le dénommer. Donc là, justement, vous mettez Home Trainer, comme j'ai pu vous montrer, comme j'ai déjà créé sur mon Garmin. Donc le profil d'activité Home Trainer. Donc vous voyez, donc, en fait, il faut partir sur des vraiment sur ce qui était vraiment la base. Donc bah, le chrono. Euh, général. La puissance, moi je mets sur euh, 3 secondes, tout simplement parce que la puissance instantanée, vous allez avoir trop de variations. Le fait de la mettre sur 3 secondes, ça permet de, de mieux lisser votre puissance et d'être plus précis, notamment quand vous voulez chercher des, des zones bien spécifiques. La cadence, qui est aussi très importante lorsqu'on euh, fait du Home Trainer. Et puis, euh, et donc ça, c'est ce petit onglet que, qui, est, qui est très important. C'est en fait, c'est euh, lorsque vous faites des laps, c'est-à-dire que alors, vous appuyez sur le bouton. Euh, l'app en bas à gauche euh, et ça peut être bien quand vous commencez une nouvelle série ou quand vous avez fait une phase d'échauffement que pas forcément très déterminée 10, 15, 2 minutes et là quand vous voulez partir vraiment sur un, un lap euh, sur votre justement euh, votre intensité précise bah vous rappuyez un coup pour remettre ça à zéro et justement pour pouvoir mieux gérer vos zones l'heure bien sûr et puis ce petit onglet là du coup il n'a a pas d'utilité mais je, justement je vais m'en servir pour vous montrer comment faire pour modifier justement tous ces onglets. Donc, une fois que vous avez déterminé votre nombre d'onglets, donc là c'est pareil, hein, c'est quand vous allez hop, dans la petite maison, on y va, ici, donc là je vais dans paramètres, dans mon profil d'activité, donc là je vais cliquer sur le Home Trainer, donc là j'ai ma couleur de, de prédilection, alors là j'ai mis type d'activité intérieure. Tout simplement donc là vous le votre gps ne va pas se mettre en marche puisque comme vous êtes à l'intérieur vous n'avez pas d'utilité pas euh, fonction automatique euh, bah, c'est auto auto pas là auto-lapse, autolapse autopause pas d'utilité non plus là je vais regarder vous avez vu elles sont désactivées aucune utilité hein, sur l'homme Trainer d'avoir euh, une autopause c'est à dire que dès que vous arrêtez euh, le chrono s'arrête puisque comme vous n'utilisez pas le, le, le gps forcément euh, le, votre gps ne sait pas si vous êtes à l'arrêt en activité et puis euh, l'autolab c'est justement bah, ça c'est plus pour les, les coureurs à pied qui font des, en fait des autolabs sur euh, souvent des le kilomètre euh, tous les kilomètres a, ça leur permet de, de connaître leur vitesse au kilomètre défilement automatique ça fait pareil je l'ai supprimé parce que euh, bah, c'est bien de, voilà déjà l'homme des vous êtes des fois sur des intensités hautes et euh, bah, pour rester concentré et avoir tout le temps le, le cadran c'est bien de, de le désactiver L'alarme, je n'en ai pas mis. Là, vous pouvez en mettre éventuellement quand vous dépassez des zones ou au niveau du cardio pour ne pas dépasser votre max. Euh, donc voilà, hop, je reviens. Donc là, je reviens en arrière. Je retourne sur mon activité. Que je clique ici. Et là, comme je vous le disais, donc une fois que vous avez déterminé votre nombre d'onglets, bah pour tout simplement pour pouvoir changer, vous restez appuyé en bas à droite. Là, par exemple, je veux changer celui-ci. Je reste. Et là, je peux mettre. Voilà. Là, j'ai euh, accès à mon menu où je peux mettre, bah, ouais, moi j'ai pas de cardio, euh, de cardio euh, avec moi, mais je peux mettre fréquence cardiaque. Et là, je vais chercher ma fréquence cardiaque. Si vous avez un capteur de cardio, hop là, la voilà. Donc des fois, il hein, euh, faut, faut le faire défiler et elle arrive ici. Et, hop. et là, vous voyez le petit onglet où vous aurez votre fréquence cardiaque défi qui pourra euh, défiler. Donc, juste revenir sur cet onglet qui est très, enfin, moi je trouve très intéressant, que je ne mets pas du tout sur mon activité route, mais du coup, je vais mettre là sur mon activité homme trainer, c'est ce circuit en cours. Donc, justement, vous voyez, je vais appuyer en bas à droite pour lancer mon chrono. Donc là, le chrono est lancé. Et là, on va attendre. Donc là, imaginons, bon, là, on est sur très peu de temps, mais imaginons que je m'entraîne pendant 10-15 minutes. Donc là, du coup, on va le faire au bout de 20 secondes. Je vais appuyer en bas à droite. Et là, par exemple, au bout de 20 secondes ou 30 secondes, je décide de commencer euh, mes séries avec euh, mes intensités bien précises. Là, j'ai fait 30 secondes d'échauffement. Et là, je dis Allez, c'est bon, euh, je commence mon activité. Top, j'appuie. Et là, j'appuie. Donc là, vous ne tenez pas compte de ce premier circuit. Hein. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que. Voilà. Et là, vous allez vraiment, à partir du moment où vous appuyez, vous avez euh, votre compteur qui se remet à zéro pour pouvoir commencer mon activité. Donc là, je fais une intensité, on va la déterminer à pareil, 20 secondes. Et au bout de 20 secondes, hop, j'ai une récup de 4 minutes. Et là, je peux appuyer éventuellement, ou alors vous le calculez. Hein, L'idéal, euh, quand vous faites des, justement des séries, c'est que ouais, ça sera toujours sur euh, avoir des, euh, justement des nombres bien précis euh, et pas avec euh, des, des secondes. Et donc, vous voyez, bah là, bon, justement, bon, mon chrono se remet en route à zéro. On voit donc là vous avez le temps total de votre activité et puis là le temps total soit de votre série soit de votre récup en fait de, de ce que vous voilà donc j'espère que mes explications bah, vous serviront et que ce petit tuto vous permettra de bien pédaler en mode confinement sur le trailer.